Salut à tous, c'est YouTube ici hein, pour le sixième épisode du tuto aventure de Minecraft. Hein. Alors on va continuer hein, ici on avait commencé la petite mine. Désolé pour ceux qui ont dû attendre hein, pour l'épisode, hein, mais bon c'est les fêtes, hein, tout le monde connaît ça. Hein. Et puis on fait ça dans la joie quand on fait pas ça pour à la chaîne, vraiment industriel. Hein. Alors hein, qu'est-ce qu'on peut faire. Pourquoi je remonte déjà? Je ne sais pas, mais c'est pas grave. On va redescendre simplement pour voir ce qu'on en était. Alors, question les modes. Voilà, j'ai mis pas mal de modes. Hein. Déjà, on vérifie une chose. Je suis en difficulté dure. Pardon. Alors, pour le mot créature, alors, le spawn limit est à 60. Hein. J'allais faire juste un petit truc avec vous. Alors, à chaque épisode, on va l'augmenter un petit peu plus. Hein. Donc ici, bah, pourquoi pas, on va le mettre à 70. Donc, pour tous ceux qui sont hostiles, hein, animal, on va peut-être l'augmenter de 10, disons, peut-être pour la bouffe, on verra. On verra ça, tout va évoluer ensemble. Donc, à chaque épisode, on va augmenter de 5 à 10 pour les monstres hostiles, hein. Je suis pas non plus un pro de Minecraft, donc on va voir comment ça évolue tout ça. Le reste c'est parfait, hein. Je suis en difficulté hard, hein. Donc je l'ai mis aussi en français. Pour ceux qui veulent savoir comment j'ai fait pour le mettre en français, aucun souci, envoyez-moi un message. Ou je ferai peut-être un tuto aussi pour ça. Hein. Alors ici on a déjà dû faire, c'est nickel, on va se le prendre. Alors pour les modes, j'ai mis c'est CTRL mode, je pense, hein. CTRL mode NPC, pas CTRL mais CTRL. CTRL NPC, j'ai mis. Donc c'est il y a des mages, il y a des trolls, il y a des guerriers, des zombies guerriers, il y a enfin vraiment un peu de tout. Je pense qu'il y en a 17 en plus, hein. Plus j'ai mis mots créatures, hein. Il y en a une trentaine de mobs, ça nous en fait déjà 47. J'ai rajouté le mode Blood pour le sang. J'ai rajouté quoi encore? Qu'est-ce que j'ai rajouté? Il y avait encore un mode, je ne sais plus lequel. Hein. Oui, le mode atmosphère. Hein. Donc c'est tous les bruits de vent, les bruits de caverne qui sont intensifiés. Hein. Par contre, il y avait le mode atmosphère normal, donc le simple, avec le vent, tout ça. Il y avait le mode atmosphère avec... pardon. Je vais vous éclairer ce qu'on voyait. Il y avait le mode atmosphère aussi. Mais pour... comment je vais dire... pour sortir l'épée de son du fourreau, on va dire, on entendait un bruit pour taper, tout ça. Ça, je l'ai enlevé parce que je pense que ça va un peu vous taper dans les oreilles. Hein. Maintenant, je ne sais pas. Hein, il y en a qui l'utilisent. Hein. Maintenant... si vous réclamez, il n'y a pas de souci, je pourrais essayer de le mettre. Il n'y a aucun problème. Hein. Mais je suis toujours pour rester un peu dans les bases du jeu, quoi. Parce que là, on l'a quand même bien modifié. Hein. Alors pour le mode NPC, je vais vérifier si je vois qu'il y a des martiens bizarroïdes ou des trucs un peu trop chelous. On enlèvera. Hein. Ici, on va miner simplement pour prendre quelques ressources. C'est une belle veine de charbon, là. Voilà. Ça, c'est la meilleure façon de se tuer. Ne jamais miner en dessous de soi. Et c'est ce que j'ai fait. Bon, on va faire gaffe. On va faire comme ça. J'ai bien mis le chrono, oui. Il y a déjà 5 minutes de passé, c'est incroyable. On va faire attention, on va faire comme ça. On prendra selon le dernier. Il y a 17 000 km de charbon. Et je me plains. Voilà. Elle peut tomber, j'en ai rien à battre. Parfait.
Bah c'est parfait ça. On va être tranquille. Question charbon. Voilà. Alors pour ceux à qui je ne l'aurais pas encore demandé, j'espère que Noël s'est bien passé pour vous, hein. Je sais, ça passe toujours très vite, hein. C'est fou, hein. Comme les fêtes passent vite, hein. Alors on va remonter tranquillement, hein. On va laisser la torche là, on va remonter à son aise, hein. Voilà. Bon, question armure, qu'est-ce que j'avais déjà? Une vieille armure, ouais, donc ouais, il serait temps de faire quelque chose. Bien sûr, quand je vais remonter, ça va être la nuit. Parce que c'est pas contrôlé, hein. Je filme vraiment avec vous, quoi, hein. Je le répète toujours et je le répéterai jamais assez. Pourquoi je le répète autant? Je ne sais pas. Voilà. Quand on fait des vidéos, on se rend pas toujours compte de si on a dit, si on n'a pas assez dit, si. Enfin, il faut que je prenne aussi un petit peu de galon, hein. C'est quoi? C'est peut-être ma dixième vidéo, peut-être? Où est-ce qu'on en est? Ben ouais, la nuit va tomber, la nuit va tomber. Alors, si j'appuie sur V, normalement, on doit me dire où est-ce qu'il y a un village. On avait déjà vu ensemble que il m'a indiqué 2 km. Pourquoi? Parce que normalement, le village est toujours tout près, hein. Attendez, je vais diminuer un peu. Voilà. Normalement, le village est toujours tout près. Ce qui s'est passé ici, c'est que j'ai mis le mode mon créature et les autres modes aussi. C'est que je les ai mis par après. La map, je l'avais déjà. Donc, il ne comptabilise pas le village, hein. C'est ça qu'il y a. En fait, normalement, j'aurais dû créer une nouvelle map. Bon, s'il y a vraiment un souci, on créerait une nouvelle map. De toute façon, j'ai dit que j'allais faire une aventure avec tous ces modes exprès. Donc ici, pourquoi je continue? Bah, tout simplement parce que bon, il y en a qui regardent, je suppose qu'ils ont envie de continuer cette aventure-là. Si vous avez envie de débuter une autre aventure, hein, j'ai une petite mine là, bah, dites-le, on le fera ensemble, hein, on va vraiment débuter une partie vierge. Hein. Si par moi, ce que je vous propose pour l'instant, c'est ici, on va finir un petit peu la mine, on va se crafter un petit peu 2-3 trucs. Ce que je vous propose pour l'instant, c'est essayer de trouver dans l'épisode suivant un village, voir comment ce qu'il est, s'il est bien, s'il est sympathique, si on se sent bien, et si c'est le cas, eh bien on va rester sur cette map, hein. Si pas, on prendra une map vierge, comme ça on tombera sur un beau village. Et on pourra débuter une belle aventure. Hein. Allez, donne-moi ton cuir, toi. Allez. Yaha! Le célèbre Yaha des vaches. Voilà. Je sais pas si vous entendez bien. C'est ça, mon atmosphère. Le mode atmosphère, c'est ça. Tous les sons de vent sont amplifiés, tout. Enfin, c'est beaucoup plus réaliste, hein. C'est vraiment sympa comme mode, hein. J'aime assez. Hein. J'espère que chez vous ça rend bien, hein. C'est pas trop non plus fort. Pour l'instant, je vois pas de village. Ce qui est aussi, c'est que dans les options vidéo, j'ai mis la vue normale, hein. Parce que dites-vous bien qu'avec tous ces modes, il n'y a pas beaucoup de PC enfin de PC normal, je veux dire, qui le supporte, hein. Donc, enfin, moi, j'adore ce mode. Mode atmosphère, j'adore. Il est vraiment sympathique. Ben, je l'avais découvert simplement sur la chaîne de Libre Chute. Hein. Alors on va pas dire, je vais piquer l'idée, mais bon, parce que les modes tout le monde peut les installer, mais je l'ai vu là et pourquoi pas, je l'ai mis, quoi. Par contre, je pense que j'ai vu qu'il a redébuté une nouvelle saison lui aussi, hein, de Minecraft avec. Ça va être génial encore, je pense. Enfin.
Voilà, bon, tout est dit. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est redescendre. Et je pense que peut-être qu'on générera une chouette carte avec un petit village à côté. On va reprendre le début, on va vraiment tout sainement, quoi. Hein. Voilà, c'est parfait, ça. Ouais, la bouffe, c'est pas ça qui manque, hein, voilà. Parce que je suis sur deux parties encore. En plus, ici, j'ai deux parties encore différentes, parce que je teste, je mets les modes et je les teste, hein, donc, ce qui veut dire, je les teste pas 10 minutes, quoi. Je les teste quelques heures, quoi, dans les cavernes, quand il y a plusieurs mobs, si tout va bien, si le PC lag pas, si le mode va bien, si j'essaie de me mettre à la page, hein, voir des tout nouveaux modes. Hein. Ici, il faudrait que je fasse une liste, mais j'ai mis pas mal de modes quand même. On va vraiment bien s'éclater, je le sens. Hein. Ça va vraiment être sympa. Hein. Alors, on va se crafter déjà. Encore quelques pioches. Bien que j'y ferme, mais le fer, je préfère le garder pour le stuff. Quand on est solo en mode normal, moi je vous conseille de faire directement une pioche en fer. Pourquoi? Parce que si vous tombez sur, par exemple, directement de la redstone ou du diamant, ben voilà, vous n'allez pas à revenir et vous recrafter. Maintenant, en mode arc, je conseille plutôt de faire tout de suite, sincèrement, une armure, quoi. Maintenant, si vous avez assez de fer, bon, si vous avez, disons, 2, 3, 4, 5, 6, 7, si vous avez 8, 11 fer, ben, faites un torse et, par exemple, une pioche, faites un compromis, quoi. Voilà, je vais ranger ça. Hop, voilà, que dire de plus, voilà. À part ça, ben, on va aller continuer à miner un peu, et puis on va déjà se laisser, c'est incroyable qu'on s'en va vite. J'aimerais bien que vous voyez un peu quelques nouveaux mobs. Hein. C'est pour ça que j'ai vraiment envie de générer une nouvelle carte, comme ça au moins on va. Mais les modes marchent, hein, c'est certain. Hein. Nous on verrait pas des lapins, on verrait pas. Ouh, on est cerné là. Cassez-vous, vous. Dégagez, laissez-moi bien tranquille. Je pense qu'on va faire ça. Maintenant que j'ai pris l'habitude de la vidéo, un peu des logiciels, que j'ai mis les modes qu'il fallait, que je pense qu'on va se faire ça. J'avais déjà généré une map pour faire un tuto aventure, mais je pense que je vous l'ai déjà dit, c'est plutôt une aventure qu'un tuto, quoi. Maintenant, ceux qui regardent et qui voient comment ce que je fais, bon, au moins ils apprennent aussi, ça c'est sûr et certain, quoi. Hein. Mais bon, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut se faire? Bon, on peut se faire un casque, on n'a pas de quoi, c'est dommage, on se faire un torse. Hein. Ben, vous voyez, moi, hein. Ben, pantalon, il nous manque un peu, hein. On peut déjà se faire un petit casque, hein. Ou des bottes. Pourquoi pas? On va laisser ça comme ça. On va regarder. Voilà. On va regarder ici, qu'est-ce que j'ai déjà mis. Oh. J'ai déjà le casque. Bon. Un bon équipé pour miner pour la prochaine fois. Hein, je vais certainement générer une nouvelle map et on redémarrera ensemble. Hein. Là, c'est parti. Hein. On est prêt. On est tout chaud. On va bien s'éclater ensemble. Surtout, ne quittez pas. Hein. Continuez à suivre la chaîne. Hein. Ça va être de plus en plus intense. Hein. On va bien se marrer ensemble. Hein. Ici, c'était ces quelques épisodes ici, c'est simplement une mise en bouche. Hein, on va dire ça comme ça. Le temps de m'habituer aussi et de vous habituer aussi, au moins on évolue ensemble carrément, qu'on s'amuse ensemble, on déconne ensemble, on délire ensemble, on se fail ensemble, on fait tout ensemble les gars. Voilà. Enfin, je vous remercie de regarder, postez commentaires, regardez aussi les autres vidéos, regardez les abonnés aussi que j'ai dans mes chaînes, ils sont sympathiques aussi. Faites gaffe à vous, cliquez au bon endroit et je vous dis à l'épisode 7. Merci bien, salut.